Qu'est-ce que le ainsi dit le Seigneur, ce Dieu qui parle derrière un homme? Vous savez, frère, du temps de Frère Branham, il y avait une sœur qui était venue dans la ligne de prière. Et Frère Branham lui a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et la sœur est allée à la maison, des mois et des mois sont passés, elle n'était toujours pas guérie. Elle est revenue voir Frère Branham et dit, Frère Branham, mais tu m'as dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Frère Branham dit, je te l'ai dit. Oui, tu me l'as dit. Il dit, cherchez-moi la cassette. Et il a remis la cassette, Frère Branham a entendu, ainsi dit le Seigneur. Il dit, sœur, retourne à la maison. Tu peux même rétrograder. Tu peux même douter. Mais comme c'est ainsi dit le Seigneur, ça finira par s'accomplir. Le ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu qui vient vivre sa propre parole. Je n'entends pas un amen. Et vous savez que Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, je vous ai vu tous au ciel. Ça ne dépend ni de toi, ni de celui qui veut. Il nous a vus au ciel. Heureusement, ce n'est pas écrit, j'ai vu Arthur et Lifok, et il nous a vus. Accroche-toi dans le nous là. Dis à ton voisin, il nous a vus. Dis à ton voisin, il m'a vu. Alléluia. Le ciel est pour nous, frères. Le ciel nous appartient. Ça, je l'ai dit au diable, tu ne mourras pas. Parce que j'ai vu mon ciel sur la terre. Alléluia. Frère Branham dit, quand un avion monte et qu'il n'a pas atteint la vitesse de croisière, il est dans les turbulences. Quand vous voyez un avion bouger, c'est qu'il n'a pas encore dépassé les murs du son. C'est pourquoi il bouge. Mais le seul est dépassé les murs de son son. L'avion atteint la puissance illimitée. Je sais que tu es venu ce soir, tu as besoin de recommencer une expérience avec Dieu. Et je te dis, ce soir, tu vas dépasser le mur de ton propre son. Tu vas atteindre une puissance illimitée. Là où Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Yes, Josué, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi je lui dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Il peut faire en vous tout ce qu'il veut. Je voudrais que tu aies une vie stable. Je veux que tu dépasses tes propres limites. Je veux que tu dépasses ton propre son. Oh Seigneur, je n'arriverai pas. Tu y arriveras. Je ne serai pas guéri. Tu seras guéri. My. Nous allons dépasser notre propre son. Parce que nous avons un modèle. Dieu a pris un homme de chair et de sang. Il lui a mené, il a dépassé son propre son. Cet homme a tourné les dos à la salle. Il a dit, toi tu viens de tel, tu viens de tel. Oui, c'était un homme. C'était un mortel, frère. Mais il a dépassé son propre son. Son propre raisonnement. Ses propres doutes.